Et eh bien le bonsoir à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir je vous retrouve pour une petite session euh, dessin. Euh, j'espère que ben, ça vous plaira. Alors en fait là c'est un dessin sur lequel je suis en train de travailler mais je pense que je vais en commencer un euh, depuis le début là, pour euh, le faire avec vous. C'est des illustrations que je fais pour le Patreon que accompagne, euh, qui accompagne plutôt une petite... Euh, euh, illustration enfin pas une petite illustration une carte et un texte et euh, en général je une fois par mois pour les plus gros contributeurs je file euh, des illustrations qui vont avec là c'est une des illustrations que je suis en train de faire et euh, je vais en faire une autre euh, euh, qui va aller avec euh, ce que je veux faire c'est une, une géante accompagnée de deux loups en fait le même personnage qui est ici mais de l'avoir de plein pied un peu mieux représenté et du coup je vais faire le dessin en tout cas je vais le commencer je sais pas si j'aurai le temps de le finir avec vous ce soir, mais euh, voilà. Euh, salut euh, à la Cabonne, bienvenue sur le live. Et euh, donc, euh, ben bah, je, euh, bah, je vais, essayer de, de faire ça. Et euh, pendant, ben bah, voilà, comme d'habitude, une heure, une heure et demie euh, à passer avec vous, à faire des petits, euh, des petits, un petit tout simplement. Donc euh, là, je vais partir en fait. Euh, au niveau de la taille, euh, de la dimension de, de mon dessin, là je pars sur un format A4 parce qu'après vu que c'est pour intégrer un PDF, je vais faire en sorte que voilà, ça puisse ça puisse s'intégrer pour pouvoir mettre du texte au-dessus et le personnage. Comme ça, j'ai une, une petite vision quand même euh, de l'illustration. Donc euh, je, vais, bah, je vais, tout de suite, ben bah, tout simplement commencer. Je vais faire un truc euh, quand même que j'aime bien. C'est euh, je vais me faire un petit, euh, un petit fond coloré, euh, un truc avec une couleur un petit peu pâle, euh, quelque chose comme ça peut-être. Ça pourrait être bien, peut-être un peu plus dans les gris, un peu plus neutre encore. Euh, je vais tout simplement remplir. Hop, mon fond, comme ça déjà, ça vous pètera peut-être un petit peu moins les, les yeux. Et moi aussi, pour la même occasion. Donc, je vais euh, tout simplement, comme je vous le disais, je vais essayer de placer le, le personnage, de, de le placer grosso modo comme je voudrais qu'il soit dans ma, sur ma feuille, sur ma page. Et, euh, et, et ensuite, eh ben, on, ben, on va attaquer tout simplement. On va attaquer, commencer à dessiner. Alors, euh, alors comme je vous disais, c'est une petite, c'est une géante que je dois faire un personnage euh, donc de grande taille Alors, il faudra que je trouve peut-être une, euh, une idée euh, de comment trouver une, une manière de marquer le euh, comment on appelle ça euh, son échelle Essayer de trouver un élément dans, dans le personnage qui puisse faire en sorte que, euh, que l'échelle est et assez représentative. Enfin voilà qu'on qu se rende compte de la de la taille et du gigantisme en fait des euh, 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 du personnage, même des personnages parce que comme je vous le disais, je vais faire aussi avec euh, avec elle un loup, enfin deux loups même, deux grands loups blancs. Euh, C'est un personnage que j'ai vais faire un petit peu un peu voûté. En fait, hein, pour, euh, parce que c'est un personnage qui, qui est censé être un petit peu euh, euh, triste. En fait, c'est un personnage en deuil. Donc, on va essayer, je vais essayer de faire, de, euh, de faire ça. Alors, euh, je vais lui faire, comme je vous le disais, je vais lui mettre un loup. Là, peut-être en, en premier plan. Un autre euh, loup en second plan. Alors, je peux faire, je voulais, je vais essayer de tenter quelque chose, par exemple, de faire en sorte comme si elle, elle caressait le loup, quelle est sa tête, sa main sur, sur sa tête, sur ce loup un peu un peu géant, et peut-être juste l'amorce du loup. Faudra peut-être que j'aille regarder d'ailleurs. Euh, bonsoir, Mavango, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien depuis euh, le, la, le dernier live. Euh, donc, je vais essayer, comme je vous le disais, de faire un petit. Euh, 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 ouais, de la par exemple en caressant la tête de, de loup. Peut-être que j'ai regardé un peu quelques références de loup. J'en ai, ai dessiné pas mal à ces temps-ci, donc j'ai quelque chose en tête. Mais, euh, mais quand même, ça peut être quand même intéressant de se remettre les... Euh, 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 ce visuel là ces visuels là Hop, euh, alors le personnage a aussi d'autres choses qui sont importantes c'est qu'elle est retenue par des euh, euh, par des ronces euh, qui, qui l'emprisonnent un peu en tout cas qui euh, <coughs> lui empêche de se mouvoir comme elle, euh, comme elle voudrait donc il va falloir que je que je fasse ça je vais aussi faire ça Hop, euh, alors le personnage il va être comme ceci. Je vais lui faire là, là à la ceinture comme si elle avait une urne. Alors comme je vous le disais, c'est perso un personnage qui est en deuil. Et du coup, euh, de marquer l'urne comme ça au niveau de, de sa ceinture, ça peut, être, ça peut être intéressant. Là, je la trouve encore trop peu voûté Hop. je vais encore accentuer là je vais mettre le deuxième loup juste ici Hop. je pense qu'il va falloir que je euh, comment dire que je revois un petit peu la taille je vais la mettre un petit peu plus euh, petite dans la euh, euh, dans la scène dans l'image je vais retravailler ça juste après. Ça va très bien, merci. C'était super sympa. Euh, oui, 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 on avait, c'était, moi j'ai, c'était très cool de passer un petit moment là avec, euh, avec du monde sur le live, le live dernier. J'avais fait une une sorte de petite, pour ceux qui ne l'ont pas vu, une petite libre antenne où j'avais invité les gens qui voulaient venir discuter avec moi sur le live de venir. Et du coup, on, on a fait ça. Euh, bah toi bah en avant go je, il me semble que tu es sur le Patreon là je suis en train de faire euh, la comment dire euh, la, le fameux euh, comment dire le, la spéciale du mois euh, que j'aurais dû vous euh, envoyer avant euh, aujourd'hui euh, mais que je n'ai pas fini et que j'aurais pas fini et, euh, enfin pas d'ici ce soir là c'est une des illustrations qui va accompagner justement euh, l'image. Hop, bon, là déjà dans les proportions ça me va pas tellement, donc je vais baisser tout ça. Je vais essayer de l'avoir encore plus petit. Je préférerais, les... j'aimerais bien les avoir de plein pied en fait, hein. vraiment les avoir de plein pied les personnages. <coughs> euh... Dans ce genre-là, hop. Je pense d'ailleurs que le loup même, je vais l'avancer encore un peu celui-ci. peu avec les, euh, les racines là qui viennent et qui là, euh, Et qui sont... Euh, et qui retiennent le perso. Oui, en effet. <laughs> Tu as fumble sur les délais de ton Patreon ouais, complètement. J'ai complètement euh, fumble. Je me suis, euh, je me suis mis dedans. Euh, j'ai eu pas mal, j'ai eu, eu quelques obligations au début de mois qui m'ont déjà, qui déjà un peu mis dedans. Et en plus, euh, bah, je prépare. J'ai un nouveau pack d'assets là qui est, qui est quasiment bon, mais euh, que je que je voulais avoir pour une carte en particulier. Bah, celle que j'ai que j'ai faite là cette semaine euh, avec les. Euh, je ne sais pas si euh, tu vois, c'est celle avec les rochers, euh, des rochers pointus et tout ça. Et du coup, j'ai commencé à faire euh, plein d'éléments euh, graphiques. Et euh, en me disant, ouais, ça ne me prendra pas trop de temps. Et euh, je me suis acharné dessus à vouloir absolument les sortir. Je voulais les sortir en même temps. Et du coup, euh, euh, ça m'a mis dedans tout simplement ça a mis dedans après là je pense que sur le euh, comment dire sur celui-ci là bon, ça va me prendre je l'aurais euh, je, je devrais pouvoir l'avoir fini pour pour jeudi je pense pouvoir je pense que les illustrations là le, la, la carte est faite euh, les illustrations ont bien avancé. le, le texte est bon et, et traduit mais enfin voilà euh, voilà j'ai un peu bah, j'ai chié dans la colle hein. <laughs> il y' a pas d'autre <laughs> il n'y a pas d'autres mots hein. je me suis euh, je me suis chié dessus <laughs> oh, bah, bah j'espère bah, bon, ça, ça m'embête un peu parce que bon ça fait ça manque un peu de sérieux mais bon on va voilà j'ai plutôt en fait c'est surtout quand je pensais pouvoir faire ça là, ce week-end mais ça fait euh, j'étais à bout de euh, euh, comment dire, euh, j'étais crevé. J'étais crevé. J'ai pas réussi. J'aurais dû ne pas dormir pendant quelques jours, mais je n'ai pas réussi. <laughs> J'ai pas eu le courage de faire ça. Euh, donc, euh, donc un peu de retard sur le Patreon. Hop. Plus, il euh, euh, y avait aussi là. Les ouais, C'était quoi aussi de faire les maps en. Les, les quelques maps animées là que j'ai fait aussi là en début de mois ça m'a mis un peu dedans mais bon je, je pense que c'est important pour moi d'essayer au moins de voir euh, euh, à quoi ça à quoi ça quels sont les problèmes que ça pose et tout ça voir le temps que ça prenait justement pour pouvoir éventuellement que je suis en train de voir si euh, j'aimerais bien pouvoir en faire plus et voir à quel point c'est possible <laughs> Hop alors euh, sur la démarche peut-être de celui-ci. je ne suis pas très fan. Je pense que je l'ai fait un peu gros là pour euh, celui qui est en premier plan. Hop, on va on va modifier ça. Donc euh, je vais utiliser un truc là pour... Euh, pour à mes Raccourci clavier. Parce que ça c'est des fois c'est un peu un peu embêtant. Euh, CTRL D hop euh, quand je suis en live euh, j'arrive pas euh, avec ma tablette graphique ouais, euh, j'ai quelques raccourcis qui sont directement sur la tablette mais euh, tous ne, mais bon je peux pas tous les avoir du coup il faut que je trouve un endroit où caler mon euh, mon clavier tout simplement et du coup je suis obligé de me tourner pour, euh, pour faire ça. Oup. Donc voilà, du coup, bah, ce soir, euh, bah, du coup, j'avance un peu le boulot et ça me permet de, voilà, de faire le petit live. Comme ça, ça vous donnera aussi un aperçu là, de ce qui va arriver là dans les jours qui viennent. Qui viennent. Hop Parce que oui, les jours qui viennent, ils sont plusieurs les jours. Ouais. C'est bien ça, je crois. <laughs> oh là là, moi et l'orthographe. C'est un drame, c'est un drame, mais bon monsieur, c'est un drame. <laughs> Hop. Et euh, bah, du coup, euh, j'avance euh, tranquillement. Euh, ça, ben bah, toujours de hein, toute façon euh, l'esquisse, essayer de bien euh, de placer euh, tous euh, tous les éléments correctement, essayer d'avoir une visu, une bonne visualisation de ce que je suis, euh, de ce à quoi ça va ressembler. Hop. Je vais vraiment aller hein, sur quelque chose de euh, vraiment de rough hein, là pour le coup mais ça me permet de faire en fait ben, toute la euh, la composition en fait alors, moi, c'est en général, c'est le moment que, que j'aime le plus sur le, euh, tout ce travail-là, la là, composition. Alors, il y en a, ils aiment pas du tout ça, ils aiment bien euh, la mise au propre et tout ça. Moi, c'est vrai que tout, ce, tout cette partie, euh, euh, en fait, de, de rough du dessin où on construit les premières bases et tout ça, c'est ce, ce, ce qui me plaît le plus. Hop, alors là, oui, il ne faut pas que j'oublie la l'urne. D'ailleurs, il faudra que sur le deuxième dessin, celui-ci, il faudra que j'essaie de la placer quelque part. On verra ça. Je verrai ça quand, euh, quand j'y retournerai. Ce dessin, je pense que je le ferai euh, après le live. Enfin, plus tard. Euh, alors, euh, ce qu'il y a... Euh, C'est vrai que euh, je ne sais pas encore. Je pense que je vais encore devoir la, la réduire hein, en fait dans l'image. Je vais être obligé, je pense, un petit peu de, de réduire sa taille encore dans l'image. Je la trouve encore un petit, peu, un petit peu coincée. Je la trouve encore un peu coincée. Remarque, ce n'est pas une mauvaise formule de faire un Patreon en direct. <laughs> Ça montre encore mieux comment tu fais. Oui, oui, tout à fait tout à fait bah après il y a les euh, en général euh, c'est euh, bah, je fais des speed euh, des speed painting euh, pour euh, pour ceux ben bah justement pour ça alors euh, cette fois-ci euh, il n'y a pas sur ça mais sur l'illustration que je suis en train de faire j'ai fait j'ai fait un speed painting et tout ça et ça c'est c'est fourni à, pour ceux là qui ont la spéciale du mois hop ils peuvent aller les regarder, c'est des vidéos privées. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais continuer à, à faire ça euh, dans le sens où euh, euh, j'aimerais bien pouvoir les, les partager justement à tout le monde. En fait, parce que ça ferait un petit peu de pub. Ça ferait un petit peu de pub pour les cartes. De montrer le, le, speed, le speed mapping et leur dire, ah tu veux avoir le beau dessin que j'ai fait. Il <laughs> faut payer. <laughs> Pardon. C'était mon, mon rire méchant. Euh, je ne sais pas s'il est convaincant. Euh, et après, alors c'est marrant, ce loup-là, il marche bien. Celui-ci est un peu plus fin en même temps. Je voulais, je voulais faire de toute façon un, un mâle et une femelle. Donc là, ça peut être la femelle. Hop. Ça peut être la femelle. Je vais essayer de l'avoir un peu plus. Euh... Je vais un pop up. Il y a le pied, je pense qu'il faut que je le fasse un petit peu plus en arrière pour avoir une meilleure dynamique. Je pense. Quelque chose un peu plus en arrière. Alors vraiment, là on passe. C'est vraiment... J'essaie je, de... Je place vraiment les, les grandes grandes lignes hein, du, euh, du dessin. Euh, tu devrais euh, l'enregistrer ce, ce rire là <rire> ouais, je le mettrai, tu sais en <laughs> pendant les parties de jeu de rôle le <rire>, <rire>, <De> rire méchant <rire> euh, hop alors. je vais essayer de juste le réduire encore un tout petit peu je la trouve un peu coincé là le personnage dans, mon, dans ma page je pense que je vais... Je pense que quelque chose comme ça, ça devrait, euh, ça devrait aller. Je pense que là, je l'ai bien au niveau de la proportion. Enfin, C'est tout l'intérêt quand même hein, de, de faire tout ce travail là, là, avec euh, dessiner sur Photoshop, de pouvoir aller et venir comme on veut là sur les euh, euh, sur ta composition, retravailler ton dessin. C'est quand même un truc qui est, qui est quand même bien pratique avec le numérique. Le fameux d'avoir les contrôles Z, de pouvoir revenir travailler tout le temps ton dessin, c'est un truc qui est bien. Après, des fois, hein, c'était aussi euh, sympa euh, d'apprendre en fait à, à avoir un, le, un trait plus euh, juste et plus sûr et d'assumer et d'assumer ses erreurs dans, un, dans des fois dans le dessin plus traditionnel. Peut-être que tu en fait quand tu fais, euh, quand es plus en aussi tu vas aux, de temps en temps aller euh, euh, faire peut-être plus des petites, des petites esquisses avant essayer de placer ta composition pour être un peu plus sûr je pense que c'est ce que je ferais si je dessinais ça sur, sur papier hop là je vais lui faire avoir son autre main Euh, qui j'aimerais bien lui d'avoir la main un peu qui avance comme ça là un peu le, légèrement devant celle-ci elle va pas du coup Hop. et avec pareil les, les racines qui viennent la restreindre restreindre le personnage qui s'enfonce presque dans sa chair euh... alors par contre là j'ai le petit problème que le perso doit être euh, est censé être une géante euh... et quon ne voit pas bien en fait on ne voit pas bien ça il n'y a pas cette sensation de personnage gigantesque euh... faudrait peut-être que je faudrait que je trouve un truc euh... Euh... un élément de référence alors je pourrais toujours faire par exemple un personnage là comme ça là un personnage de plein pied. Hop. Qui est en train de l'avoir, mais ça ne va, ça va pas être très très sympathique. Je vais essayer de voir si je peux pas mettre un, je sais pas, un élément de décor. Euh, Peut-être un truc simple, j'en sais rien. Une caisse, quelque chose. Euh, je ne sais pas. Euh, Qu'est-ce que je pourrais bien mettre Qu'est-ce que je pourrais bien mettre pour montrer Un petit peu montrer la référence. Euh, Rien que pour tenir les délais, les pros, je pense, font euh, tout en numérique. Non, oui, 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 de toute façon. Euh, tu... Quoi que J'en sais rien. Je te dis ça, mais pas forcément. Ça dépend ça, ça doit dépendre des gens. Il y en a après, les, les gars aiment la peinture. Après, oui, le... tu vas bosser de, en général sur des industries. Enfin, aujourd'hui, quasiment tout le monde bosse en, en numérique. Mais euh, ça dépend. Par exemple, sur les gars, sur de la BD, je crois qu'il y a encore des gars qui, qui aiment faire ça là. la. Euh, Comment dire en euh, sur des avec des vrais plans des planches euh, dessinées euh, par exemple faire l'ancrage ce genre de choses euh, Continuer à préférer de faire l'ancrage euh, à la à la plume ouais, ou au pinceau ce genre de truc donc ça ça dépend bah, je crois que c'était euh, je dis peut-être une bêtise hein, il me semble que c'était euh, Emmanuel euh, Robier euh, qui, euh, qui disait qu'il faisait ses planches, euh, qu'il les dessinait euh, au, au, à, à la main, qu'il les faisait euh, de façon traduite. Il me semble, hein, je ne suis, suis pas certain. Il me semble que, que c'était le cas. Ces planches de BD en tout cas. Et après, bon, de toute façon, après, on passe par le numérique. Hein. Quasi la couleur, je pense quasiment tout se fait. Enfin, euh, la couleur, tout se fait. En BD, par exemple, je pense que ça se fait maintenant quasiment exclusivement euh, en numérique. Je pense. Hop là, j'aime pas trop la dynamique là. Ouais, faudrait il faudrait qu'il y ait un truc qui vienne même sur son crâne. Ce serait pas mal. Euh. Tu devrais l'enregistrer. ce rire -là. Non, Ça, j'ai déjà vu. J'ai déjà vu ce commentaire. Alors, je regarde. Vu que des fois, je, je loupe très souvent des commentaires, vu que je suis euh, sur ma planche à dessin. Donc, euh, je regarde régulièrement le chat et des fois, bah, je reviens en, en arrière. Euh, mais c'est. Euh, euh, après, c'est vrai que, bah, après le, le tradit aussi, c'est quand même sympathique d'y revenir de temps en temps. C'est quand même, ça peut être agréable d'aller faire même de sortir un petit peu de son euh, comment dire euh, de son bureau aussi ça peut être bien j'ai d'ailleurs j'ai essayé moi là de faire des quelques quelques dessins en, euh, sur croquis pour pouvoir faire pour sortir un petit peu, là, pour pouvoir continuer à dessiner un petit peu euh, autre chose faire certains de mes assets, mais j'ai peur que ça ne matche pas très bien avec ce que j'ai déjà, euh, euh, déjà fait Il euh, y a un truc là sur sa main qui marche pas. La tête du chien est un peu, un peu basse, un peu haute plutôt. J'aurais peut-être dû la baisser un petit peu. Hop. mais bon ça. Ça devrait aller là. Il faut que je fasse. Je vais juste faire passer là une autre petite, euh, euh, comment dire, une autre petite ronce, Celle-ci est peut-être un peu épaisse d'ailleurs. On va essayer d'alléger un petit peu l'espace en hauteur. Là, là, le dégager un peu. Un peu bon Mais là je pense avoir à peu près la, le, le jeté, la, le premier croquis, je pense qu'il est pas mal, là je vais juste marquer qu'au sol il y a quelques champignons, ah, là, là, un peu la particularité que j'ai eu là euh, en avant, et même cela sur, sur la spéciale là du mois, c'est que dans le texte j'ai essayé d'intégrer toutes les cartes que j'ai fait, euh, toutes les cartes qui ont été faites là, pour le, euh, pendant le mois, ce, ce mois-ci j'ai essayé de les, de les intégrer à l'histoire pour qu'il y ait une espèce de, de logique euh, pour ceux qui voudraient euh, je sais pas, prendre, euh, s'en inspirer pour, pour faire un petit scénario de JDR j'ai essayé d'intégrer ça dans le texte, d'avoir toute une logique vous me direz si, si vous aimez bien euh, D'ailleurs, les, les gars là, qui, euh, qui suivent la compte Patreon, n'hésitez hein, pas euh, dans la section Patreon là, du Discord de me, euh, de me dire, hein, de me faire vos retours sur le travail et tout ça. Hein. Je, suis, euh, euh, je suis tout à fait enclin euh, à écouter les critiques, que ce soit aussi bien sur le, au niveau graphique euh, qu'au niveau littéraire, de ce que j'écris, de ce qui est sorti. N'hésitez hein. surtout pas. Euh, par contre, pour vendre un extensible, le papier doit être très rentable, puisque par définition, il va être unique, non Alors, euh, oui, mais après, en général, tu, euh, les, gars, les gars vont le faire imprimer. Après, oui, as les, bah, sinon, oui, tu peux faire aussi, euh, bah, bah, mais tu vends ça comme un tableau, en fait. Quoi. Tu vends ça comme un tableau ou ce genre de choses, c'est-à-dire, oui, le, le truc va être beaucoup plus, beaucoup plus cher. Euh, ben je regardais là ben c'est euh, mais euh, souvent même les artistes euh, ça leur arrive de faire ça c'est-à-dire d'avoir des faire des vendre des copies numérotées ils en font des séries limitées ils vendent des, ils vendent une copie et euh, et le reste, euh, et, et ils vendent aussi l'original. Euh, et du coup, tu vas être autour, j'en je sais rien, je te, dis, je te dis une connerie, mais ils vont vendre une belle impression, euh, par exemple euh, ouais, une super impression, ils vont te vendre ça 50 ou, euh, ou 100 euros, ça va être une copie euh, limitée. Et, euh, et après, ils vont en faire... Euh, et l'original, ils peuvent te la vendre, je ne sais pas, 1000, je te dis une bêtise, hein, mais 1000 ou 2000 euros euh, l'original. Pour un artiste vraiment qui vend juste, juste son dessin comme ça. Et après, l'œuvre numérique... <coughs> euh, je ne sais pas exactement que... Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que dans une œuvre mmh. numérique, tu, tu cèdes des droits d'exploitation, en fait. Euh, C'est-à-dire, tu vas céder le droit que, que le gars euh, va utiliser ton dessin pour X. Euh, euh, je sais pas, pour euh, l'édition d'un jeu de rôle. voilà. Tu lui cèdes les droits d'exploitation de, de trucs pour ce jeu de rôle. Euh, voilà, c'est ça que tu vas. Euh, que tu vas céder euh, dans euh, ou euh, par exemple euh, ben là moi je euh, euh, en fait je, je permets aux gens d'utiliser le, les cartes que je fais euh, celles que je passe par exemple sur le Patreon c'est simplement pour un usage un usage personnel et forcément là ça n'a ça pas du tout le, le même le même prix mais en général, les illustrateurs, euh, je ne suis pas un pro, mais bon, je me, je me renseigne un, un petit peu, euh, les gens vont... Euh, en fait, tu négocies ça. Euh, C'est-à-dire, euh, suivant ce que le, la personne va utiliser, euh, pour, euh, quel sera le, suivant quelle sera l'utilisation de ton dessin, le tarif ne sera pas le même. Hop. Salut Eon, bienvenue à toi. mais euh, oui effectivement après euh, ben, euh, d'avoir un original euh, d'un par exemple d'un euh, je sais pas d'une planche de BD euh, sans parler même d'une œuvre enfin d'un truc qui va être vendu comme un tableau mais d'avoir un original d'une planche de BD et tout ça bah ben, après ça peut ça peut valoir euh, cher ben, après ça dépend de qui c'est-à-dire tu as l'original d'un gars qui, euh, qui n'est pas du tout connu et euh, qui euh, euh, comment dire euh, Bah forcément le truc ne sera pas, euh, il vendra pas forcément ça très cher. Tu as l'original, euh, je sais pas d'un Loisel euh, ou d'un euh, Goscinny ou ce genre de choses. Le, forcément là les, les, les tarifs euh, seront plus chers. Hop, je vais juste en refaire une là. Hop, euh, je regarde. Moi, souvent d'ailleurs, hein, je regarde très euh, en général quand je dessine la petite vignette là, de navigation. Euh, je trouve que c'est très bien quand on veut faire euh, quand, on, quand on dessine. Comme ça, qu'on fait un... Euh, comment dire une, euh, une illustration pour avoir toujours un espèce de visuel de savoir à peu près à quoi ça, ce que ça va rendre euh, faut faire attention souvent quand on est trop euh, dans son dessin aller trop dans le détail c'est bien moi je regarde souvent la petite vignette pour voir si la composition s'il est les valeurs de, de mon dessin sont, sont équilibrées plutôt que de que rester trop dans, dans les petits détails. C'est très important de, de toujours de garder un œil sur d'avoir une vision globale et moi de regarder la petite navigation quitte à l'avoir même un peu plus grande hein, et mais comme ça de pouvoir se faire un garder un œil sur ce qu'on est en train de faire et de de voir le rendu rapidement c'est plutôt sympathique. Euh tes tokens sur ton pas très sont vraiment très bien merci en avant go euh, peut-être les styles que peut-être le style que j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup aussi les petits synopsis comme le pont et les fantômes de la dernière fois eh ben ravi <laughs> ravi euh, que ça te plaise bien. Bah, euh, je t'avoue que c'est de faire ça, c'est-à-dire d'essayer de raconter une petite histoire en même temps que je fais les cartes. C'est ce qui est c'est ce qui est le plus important. C'est aussi pour ça que j'ai là-bas, ben là par exemple, que je suis un peu, euh, voilà, que je me suis permis de, de prendre du retard là sur le, le Patreon de la, de la, du mois dernier parce que j'ai pas, j'avais pas envie de, de sortir un truc trop bâclé. J'aimais bien avoir un truc quand même qui soit euh, qui soit intéressant. À à regarder que ça fasse un, un beau petit, un joli petit PDF quoi. Hop, allez. Euh, je pense que pour cette première esquisse on va être bien. Maintenant je vais aller mettre clean et ça au euh, mettre ça au propre. Hop, non, je suis sur le, bo le bon calque. Je crée du coup un nouveau calque. Je vais passer l'autre euh, avec une opacité euh, vraiment euh, très faible et ben je vais commencer à la dessiner euh, un peu plus. Hop et aller maintenant dans le détail du dessin. Euh, hop. Je vais utiliser ça. Je pense que je vais. Bah, je vais commencer par le visage euh, du personnage. Parce que c'est souvent, je pense, assez important. C'est un peu le truc que je vais essayer de, de toujours. J'aime bien travailler. C'est-à-dire d'avoir sur un visage. Euh, c'est pas indispensable. Hein, des fois, on peut avoir un visage vraiment dans le flou. Mais j'aime bien avoir. Euh, moi, moi euh, d'avoir toujours le, le regard du personnage un peu plus détaillé quitte à avoir le reste qui peut l'être qui peut l'être un peu moins alors euh, d'ailleurs le personnage a une petite particularité euh, là il est censé pleurer des larmes glacées des larmes de glace donc j'ai essayé de le représenter comme je peux là. Et on va voir hein, si, ça, si ça rend bien. Alors, je n'ai pas, pas trouvé de solution d'ailleurs pour montrer la, la taille un peu démesurée euh, de, du personnage. Je lui, fait, euh, je, je lui ai fait des grandes mains. Euh, je ne sais pas si... Euh, bon, ça ne va pas du tout suffire. Hein. Je vais voir, je, je vais essayer de réfléchir à un moment là, si je ne trouve pas quelque chose qui puisse euh, marquer la, la notion d'échelle du personnage, vu que c'est un personnage qui est censé être une, une géante pour que ça soit euh, comment dire euh, pour que qu'on comprenne tout simplement et j'ai pas encore de trouver l'idée qu'il euh, qu fallait en tout cas sur ce dessin là après si je ne le trouve pas sur ce dessin là je, je vais le faire sur l'autre personne sur l'autre euh, illustration qui est celle ci et pour le coup là je, je vais juste montrer là comme ça pour le coup là je vais pas euh, euh, je ne vais pas me prendre la tête et je vais par contre faire un, un personnage justement euh, assez petit au milieu, à peu près de, de cette taille-là. Bon, juste là, là, mais un espèce de personnage à peu près de cette taille-là euh, qui va être au milieu de la de la scène comme s'il arrivait de la même manière que le joueur pourrait arriver comme ça de, de dos et ainsi ça montrera à peu près l'échelle euh... l'échelle du lieu l'échelle du personnage et les autres l'échelle des loups et etc etc hop là mince je fais des bêtises hop là je vais revenir sur le dessin que je voulais euh... Oh, elle est belle cette illustration. Là, c'est l'illustration qui montre juste le personnage. Et euh, vraiment juste le personnage. Et l'autre, c'est l'illustration qui montre le, le lieu. Le lieu dans son ensemble. Et là, elle n'est pas finie encore. J'ai encore, encore un peu de boulot dessus. Même j'ai encore pas mal de, de, de travail à faire dessus. À moins que ce soit sur elle. Est-ce que je pourrais pas... Avoir un truc, par exemple, dans ses cheveux, un truc qui peut être. Euh, qui pourrait marcher. Euh, je suis en train de réfléchir, ou dans ses, dans ses habits, qui pourrait donner euh, une notion de taille. Est-ce que je pourrais pas avoir un petit. Euh, euh, je n'en sais rien. Je réfléchis, hein. Merci. Euh, comment déterminer com comment détermines-tu ah putain j'arrive plus à parler moi comment détermines-tu que tu as fini une image euh, quand j'en ai marre <laughs> euh... Je... Je rigole, mais non, en fait, c'est pas tant de la rigolade que ça. C'est-à-dire, à un moment, j'estime, alors que soit quand j'ai plus le temps, ou quand, quand, quand j'en ai assez, euh... après, j'essaye d'avoir quand même un truc, comment dire, un peu près uni, euh, c'est-à-dire que tout paraisse. De qualité égale, alors euh, c'est pareil, oui et non en fait. Euh, je dis ça, mais c'est pas euh, c'est pas une, forcément une règle parce que des fois on peut justement s'attacher juste sur quelque euh, un, un détail particulier qu'on peut pousser un peu plus. Et bah comme là, là je disais par, euh, par exemple là sur le personnage, c'est c'est ce perso là qui est qui est important. Euh, son visage est important. Faudrait que je pousse un peu plus le détail sur son visage et quand il y a un ensemble, moi, qui me paraît, euh, qui me paraît bon euh, par rapport au temps que j'avais envie d'y consacrer, euh, voilà. Euh, je ne saurais pas, pas trop te dire. C'est un peu à toi de savoir quand est-ce que, est que tu penses avoir fini, quand est-ce que ça te semble, euh, euh, comment dire, euh, bon que tu, que tu es à peu près satisfait de ce, qui, euh, euh, de ce que tu euh, de ce que, ce que as proposé. Quoi. Ça te va par rapport, ben, comme je te dis aussi, il hein, y a après le, le temps euh, que tu avais envie d'y passer. Ça joue, hein, ben forcément. Hein. Euh, ou que tu peux y passer aussi. Une tête coupée, une boucle d'oreille. Euh, euh, une tête coupée en boucle d'oreille. Ce qu'il c'est que ça m'embêtait. Parce que le personnage n'est pas si cruel. Mais ouais, c'était un truc comme ça, là. Que, que j'aurais peut-être pu faire ou euh, peut-être un animal tous. ouais peut-être un animal par contre euh, quand c'est acceptable de montrer un dessin euh, <laughs> le dessin aux autres en fait oui quand toi en tout cas tu trouves que c'est acceptable euh, mais tu vois c'est c'est pareil ça dépend euh, pourquoi euh, tu vois aussi pourquoi c'est faire c'est-à-dire à un moment des fois une esquisse euh, euh, quand je fais, euh, quand tu fais du, des petits dessins d'observation, ce genre de choses, une petite esquisse, ça peut, ça peut, suffire, quoi. Euh, et ton dessin est fait, tu as passé une minute et, et, le truc est, et le truc, est bon, quoi. Euh, ça, ça dépend vraiment de quelle est la destination aussi, dans, dans quel cadre euh, tu, tu fais ton dessin. Là, pour une illustration euh, de jeu de rôle en particulier, euh, qui va être. Un où les gens euh, en tout cas ça a de l'intérêt d'avoir un petit peu de détails à mon sens tu vois d'avoir un peu de détails de montrer des choses un peu un peu poussées euh, voilà moi j'ai je passe environ par exemple sur ce type d'illustration je vais y passer une euh, une dizaine d'heures mais je me dis, voilà, une dizaine d'heures, il ne faut pas que, pas que j'y euh, passe, passe plus. Là, sur cette illustration, euh, je pense plutôt euh, 3, euh, je te dirais 3-4 heures, quelque chose comme ça. 5 ça, visionnages en cours et, et que 3 likes Allez, on se réveille, les dormeurs. Salut, Rollipoli GDR. <laughs> j'ai mettre la pression, quoi. <laughs> Oh les gars là, mettez des likes. C'est Polly. Bienvenue à toi, Rollipoli. Euh... J'avais même pas vu que c'était toi. Euh, sinon, un cadavre humanoïde euh, ou animal euh, sur le dos d'un des loups. Ah ouais, 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 ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou sinon, je sais pas, un, un truc peut-être à la... Est-ce que je pourrais pas sinon euh, lui attacher dans les cheveux comme ça? Un lapin, tu vois, Vraiment, ouais. Faudrait que ça se voit, quoi. Euh... <laughs> Sur le <laughs> Ouais, c'est pas tic euh... Ce qu'il y a, c'est bon, c'est pas... Faudrait qu'elle en ait plusieurs. Faudrait qu'elle en ait plusieurs. Ou peut-être... Est-ce que... Alors, c'est la solution de facilité. Hein. Est-ce que juste le crâne... Le truc bête. Hein. C'est vraiment la, la, la petite solution de facilité. Hein. Mais le crâne, euh, le crâne humanoïde... Euh, au sol, parce que ça suffirait pas, en fait. Je pense que je vais en faire un et je vais voir. Euh, -ce ces... Alors, moi, je trouve tes idées bien. Il faudrait que j'essaye de voir comment je pourrais les placer. Euh, alors, bon, je, je t'avoue que là, je t'avoue que l'idée du petit, euh, du lapin, du lapin accroché dans les cheveux, euh, par exemple, là, là au bout d'une natte, quelque chose comme ça. Comme si elle avait une, ouais, une espèce de natte dans les cheveux. Et de lui faire un petit. Euh, un lapin, comme une espèce de petit lapin. Euh, voire plusieurs. Hein, ouais, plusieurs petits lapins suspendus. Dans sa. Dans sa tignace. Ah ouais, pourquoi pas, tiens. Allez, je vais, je, vais je vais me tenter ça. Deux petits lapins comme ça, accrochés dans les cheveux. C'est un peu original. Normalement, un hein, moment, ça va bien. On va pas, pas non plus être trop flemmard. Il hein. <laughs> faut tenter des choses. Deux petits lapins, là, ça peut être sympa. Je pense que ça peut être pas mal. Avec les pattes là qui tombent. Euh, ou bien un morceau d'une charrette euh, sur, le bord, euh, de la, euh, sur le bord de la roue, euh, un tonneau euh, dans sa main ou à sa ceinture. Alors euh, c'est vrai que je pensais au tonneau, j'avais pensé au petit euh, tonneau. Ah ou sinon sur le peut-être sur le loup. Le loup comme un collier, un espèce de collier. Avec un euh, collier avec un tonneau, pourquoi pas. Euh, je, je vais le descendre, je, je le place vite fait sur le. Mm. <laughs> euh, j'essaie de voir des choses, j'essaie de réfléchir. Euh... Là, okay. alors le tonneau alors ce qui c'est que bon. j'aimerais ça fait trop apprivoiser j'ai envie que j'ai pas envie de ça j'ai pas envie que pour lui ça fasse apprivoiser mais euh, elle hein, ouais peut-être euh. euh, alors là il y a son urne il y a l'urne qui est ici normalement qui est là mais l'urne est, est assez grande est-ce que je voudrais pas que je la fasse plus petite Un loup croisé Saint Bernard, <laughs> voilà, c'est typiquement ce que je voudrais éviter. C'est typiquement ce que je voudrais éviter. Euh... Le loup croisé Saint Bernard, j'aimerais que ça, que ça fasse un peu plus, euh... comment dire, euh... un peu plus, euh, un peu plus sauvage, disons. Euh. Clac, clac. Euh, je vais déjà. Avec ces petits. Alors, je, vais, je vais voir. Je pense. Je vais essayer déjà. Avec ces petits. Je vais voir avec les petits lapins. Mais c'est vrai qu'un dernier truc. Elle, qu'est-ce qu'elle pourrait avoir là, là Un espèce de truc. Qu'elle pourrait. Je, vois, je verrais bien un truc au poignet là pour elle. Euh, un élément de décor au poignet. Je ne sais pas ce qui, euh, ce qui marcherait, qui pourrait donner comme ça une, 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 un truc d'échelle. Euh, bah après, bon, comme tu disais, hein, le, le morceau de, de charrette. Le morceau de charrette, mais ce cas, qu c'est que ça peut être hein, une, petite, une petite charrette ou quelque chose comme ça. En avant-plan. Euh... Là, là, au poignet, qu'est-ce que je pourrais lui mettre ah, pff, Sinon, des oiseaux. Hein un truc bête pareil de la même manière qu'elle a son petit euh, euh, ses petits lapins qu'elle ait des petits oiseaux euh, qu'elle ait des oiseaux po au poignet ce qui c'est que, est que les, euh, les oiseaux ça peut être assez grand et c'est épique un chien qui se promène avec un tonneau, je comprends pas qu'elle l'ait est... pas encore adopté <laughs> Euh, les -Bernard. Euh, Donc allez, je vais. Il euh, faut, faut, faut aussi un petit peu avancer. Je vais essayer de voir pour le. Euh, je vais travailler ces petits, euh, ces petits lapins. Ces petits lapins pendus à sa, à sa chevelure. Ça fait. Je pense que ça peut être quand même sympa. Je vais essayer de les travailler un petit peu plus. Hop, avec leur... les grandes oreilles que je mets là. Hop, euh, ces petites papates juste ici là sur le premier. Typiquement pour ça. Le, le numérique dont on parlait est pratique. Il y a juste à faire, comment dire, la euh, euh, pour gommer et tout. C'est quand même euh, drôlement plus simple qu'avec simplement euh, euh, qu'avec le traditionnel. Bon, il y a la gomme, hein, mais bon. Faut pas non plus croire que ça réinvente tout. C'est la gomme existait déjà. Alors faut que je fasse gaffe parce qu'il a une petite tête de chien là que j'avais fait. Ce petit lapinou. C'est marrant, ça me fait penser. Je voulais mettre des lapins chez moi, des petites cages à lapins. Bon, désolé pour ceux s'il y a des, euh, euh, des véganes euh, ici. Mais euh, je me demandais si je ne mettais pas des petites cages à lapins sous mon escalier pour, euh, pour pouvoir me faire du civet de temps en temps. Mais euh, ma copine n'est pas d'accord. <laughs> Pour la, la petite euh, pour le CV euh, hop bah, bon bah vous voyez que ça avance là j'ai fait il n'y a pas besoin là faut pas non plus que je fasse trop dans le euh, dans le détail je pense là pour ces, euh, ces deux petits lapins ça reste un petit détail je pense qu'avec ça là, les, les deux petits oiseaux qui sont juste euh, euh, Comment dire. Euh, juste en dessous, euh, qui vont être accrochés au poignet. Là, là, les. Euh, euh, comment dire euh, Là, les deux lapins. Et le crâne. Bon, je pense que ça fera une bonne indication. Hein, C'est pareil. Hein, C'est un dessin qui est... Euh, comment dire euh, Qui va être accompagné d'autres dessins. Il n'est pas forcément forcé de se suffire à lui-même. Il va y avoir d'autres choses aussi avec. Hop, là je vais faire la touffe de cheveux qui s'allonge ici. Euh, MDR, l'idée de dingue. C'est plus, les... plus simple de les acheter. Oui, c'est vrai. Les petits CV... Ah mais ce y a, c'est que, que ouais, mais de toute façon j'ai peur de m'y attacher tu sais <laughs> c'est soit ça soit faut être cruel dès le départ tu vois donc c'est vrai <laughs> ah mais je te dis ça en plus je suis en ville, là hein je suis pas à la campagne hein <laughs> euh, mais bon ouais on, on est d'accord c'est une idée à la con mais je sais pas <laughs> bon je prendrais un chat je pourrais pas le manger mais bon ça sera sympa aussi. Un petit civet de lapin. Après, bon, il y a toujours le choix d'avoir un cochon. Ça, c'est bien. C'est euh, pratique. Et bon, pareil. Hein. Bon, ça, ça prend pas beaucoup de place, hein, un cochon. Hein. Tu lui donnes une, une petite euh, pas une cage à poule, mais petit cuvage simple tu mets ton cochon dedans bon j'arrête hein. de raconter des bêtises faut se concentrer un peu hein. on, a une, une, on a une super illustration à faire hop allez je vais partir là là je vais essayer de bien travailler mes petites racines qui la tiennent qui retiennent le personnage elle n'a pas tant son, j'ai un doute. Pourquoi Tu le mets dans l'entrée, tranquille. Tu y vas, tu, tu lui sors, je ne sais pas, un petit peu de. Tu vois, ça va sentir un peu fort. Ça risque de sentir un peu fort, mais bon, au moins, tu as moins de gens qui viendront s'incruster pour boire le café chez toi, tu seras un peu plus tranquille, quoi, ça va. L'odeur. Bon, les, les voisins, c'est possible que les voisins gueulent un peu. Mais bon, <laughs> c'est pas important. <laughs> le cochon en appart. <laughs> non, le, le top, c'est quand tu finis par l'égorger, bah, bah, pour faire le jambon, tu vois, enfin, au, au moment des fêtes, là, ça se fait là, en général. <laughs> au, à, ça, ça, ça fait un peu de boucan, quoi. Ça peut faire un peu de boucan. Je l'accorde. Euh, je pensais que c'était une couronne de branches. Euh, non, 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 c'est des, euh, des racines qui, euh, qui viennent la retenir, en fait. Qui retiennent un peu le personnage. Pour qu'elle ne s'échappe pas. Hop, du coup, euh... alors je vais faire ça. Hop. Alors là, ça va être le truc d'essayer de faire quelque chose de sympathique où on voit bien les, euh, les branches s'entremêler. Essayer de bien les calculer. Hop. Avec certaines qui se séparent, d'autres qui restent les unes avec les autres. Euh, Celle-ci, je vais la faire partir par là-haut. Et garder la dynamique aussi, là, bien sûr, qu'on a créé, quand on a commencé à les faire. Il euh, y a ça. Hop là, bon, ça avance doucement. Là, je vais lui faire le euh, son petit bras. j'aimerais la faire. Lui faire un bras quand même un peu... Squelettique, c'est une dame qui ne mange pas beaucoup, malgré les petits lapins qu'elle a à la <laughs> <sur> le <laughs> dans les cheveux. Hein. Une belle petite barrette, une barrette de lapin. Euh, je pensais que c'est. Euh, hop, non, c'est bon j'ai déjà, déjà lu ce commentaire. A trop de muscles non plus un tout petit peu mais on ne va pas en faire trop hop là là je vais lui faire le une simple corde qui va euh... Pardon. Euh, une simple corde qui va euh... Comment dire tenir son L'urne qu'elle a à la ceinture. Euh, juste pour dire que les deux dormeurs se sont réveillés cinq lives. Merci à eux et comme ça les gens qui regarderont la diff l'écran. <laughs> merci Polly. J'essaye je, je, hein j'essaye de de euh, de faire plus de pub d'être un peu plus euh, euh, comment dire engageant. Euh, incitant plutôt euh, les gens à essayer de, de mettre des likes et, et tout ça, mais euh, j'ai encore un petit peu de mal. Alors, c'est le trucs à la con des fois. T'es es un peu, euh, je sais pas pourquoi, gêné de faire ça. Oh, ça va, hein, je, je commence quand même à, à largement euh, m'y faire, hein, à jouer le jeu de la youtuberie. De toute façon, il n'y a pas le choix. Enfin, il a pas le choix. Si tu peux très bien ne pas le faire. Mais... Euh, J'essaye. Euh, salut le doc. Euh, le doc TV qui était passé aussi la dernière fois. Bienvenue à toi. Euh, ce soir, malheureusement, je suis égoïste. Je fais le stream tout seul. Il <laughs> n'y a que moi qui parle. <laughs> Et... Hop là. Donc, allez, on va se concentrer un petit peu. Euh, sur le euh, comment dire sur le dessin je vais allez, je vais travailler un petit peu mon, euh, mon loup en particulier toujours pareil ma tête de loup alors, c'est ça qui est bien, hein, c'est que vu que j'ai un peu travaillé avant ma, ma première esquisse, euh, bah je suis assez serein, je peux aller là euh, tout de suite dans le détail, en fait, euh, sans avoir trop peur de. Euh, euh, comment dire euh, De faire des bêtises. Je sais que mon dessin est à peu près, est à peu près bon. Après, vous voyez que la... Première... Euh, moi, euh, là, là, j'aime bien... Alors, il y en a qui ne travaillent pas du tout comme ça, hein, mais moi, j'aime bien euh, garder euh, euh, ce côté un peu rough, un peu dessiné. Il y, y en a qui veulent un, un, une ligne bien... Euh, bien clair, euh, bien net. Alors déjà moi, je, je, mais je l'ai dit plusieurs fois hein, sur sur ces lives, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, euh, que j'aime beaucoup faire le le travail de la ligne. Et euh, et en plus euh, et du coup ben j'essaye de me passer un peu plus de temps sur, euh, de, non de garder un petit côté un peu rough. Enfin. Euh, Jeter comme ça là dans, euh, dans mes lignes et euh, dans mon clean, comme on appelle, ma mise au propre, hein, voilà, dans la mise au propre du dessin. Et, euh, et après, il y en a certains au moment de la, de la mise en couleur. Je sais pas si j'aurai le temps de faire la mise en couleur ce soir hein, parce que là, ouais, c'est déjà 21h57, hein, ça, ça passe vite. Euh, mais. Euh, sur, euh, je pense que je, je, je resterai avec vous au moins tout le temps que je fais le, le dessin, et, euh, et après j'en efface un peu, j'en fais sortir quelques-uns euh, à certains moments de mes. Euh, de, enfin, la ligne, je la fais plus ou moins apparaître et disparaître au moment de la mise en couleur. Je vais. Euh, J ai, j ai, alors ce que j'aimerais c'est de pouvoir, j'aime beaucoup les gens qui font des dessins comme ça où il n'y a, a plus du tout de ligne, où c'est juste du travail de un simple travail de couleur, mais c'est vrai que je ne suis pas encore assez à l'aise avec mon travail de la couleur. Il euh, faut que je le, je le fasse un peu plus pour pouvoir me passer de, de travail à la ligne. Hop Alors, typiquement, là, j'ai avec, avec, ce, avec ce dessin, j'ai un peu plus de. Euh, comment dire euh, De difficulté. De difficulté, c'est un bien grand mot. Euh, ça va me prendre un petit peu plus de temps, disons, que de ce que je fais d'habitude sur mes dessins de personnages. Hein, tout simplement parce que, ben voilà, il y a trois personnages qui s'entremêlent, il y a plus de, plus de choses pour, sur un dessin, je pense, comme ça. En, comme je vous disais, en 3. Euh, euh, en 4 heures, je peux réussir à, à en faire un. Un petit dessin, un personnage mis en couleur. Là, je pense que ça peut... C'est possible que ça me prenne un petit peu plus de temps pour faire ça. En tout cas, pour arriver au, au rendu que, que je veux. Comment est-ce que mon dieu Je suis désappointé. <laughs> Mais pourquoi es-tu désappointé est-ce que tu ne peux pas partager le live? Euh, le doc TV <laughs> Bene. Comment est-ce Tutto Non, euh, comment est-ce c'est est espagnol ça? Muy bien. C'est ça qu'on dit, me semble, en espagnol. Es muy bien. Muy bien, para qui? Para qui? <laughs> je, je, je ne parle pas du tout. J'ai quelques notions d'italien, mais par contre, je ne parle pas du tout espagnol. Essayer de refaire quand même, essayer de ressortir une musculature. Alors, typiquement, là, euh, je, je fais du dessin de. Euh, je dessine mon loup euh, sans avoir de référence. Alors, il est possible que je fasse quelques bêtises. Alors, c'est pour en particulier pour les. Euh, comment dire Ce qu'on fait pour les. Euh, pour les, les pattes, les articulations en tout cas de, du bas, c'est souvent, ça peut très souvent poser des, des, des problèmes, mais faut, normalement, il faut aller regarder ses références. Donc là, ce que, normalement, ce qu'il faudrait faire, c'est aller sur Google, ouvrir une petite, une petite fenêtre, aller regarder comment c'est, à quoi ressemblent les pattes d'un chien ou d'un loup. Ouais, ce sont les, les, les loups, c'est des gros chiens, hein, mais c'est des chiens sauvages. Et euh, mais il mais, mais faudra peut-être que je fasse ça en particulier. En fait, c'est plus pour la, la jambe de derrière là, que j'ai du mal à, à appréhender. Euh, Celle-ci là qui va se placer là. Je vais aller regarder ça. Je vais aller regarder ça rapidement pour voir comment ça s'articule. Parce que c'est le genre de conseils que je donne, mais. Moment il faut les appliquer, hein. C'est le fameux fait ce que je dis parce que je fais, quoi. Euh, allez, allez, on va, on, on va se lancer là-dessus. Je vais lancer, je vais me faire un petit, je vais aller sur Pinterest, image, Pinterest. Hop, je vais taper Wolf. C'est le, c'est la banque d'images que je préfère, à la Pinterest. Euh, ok, là, ça fait, ok, ça fait un petit angle. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres? Euh, walk a ah, euh, alors normalement ah, là je peux le voir un peu mieux. Je regarde s'il n'y en a pas un qui marche, qui est en train de marcher euh, de côté. Hein, ok, c'est un peu, peu celui-ci. Ah, il est pas, il était pas mal celui-ci avec les euh, euh, la tête baissée comme ça. J'aurais pu aller euh, venir m'en inspirer. Euh, ok, ok, non ça, ça jambe est un peu plus droite sa jambe est un peu plus droite, hop allez je vais me le mettre sur mon autre écran comme ça je l'aurai en visu, voilà ça me pète les yeux euh, je vais l'avoir en visu et alors vous, vous ne l'aurez pas mais moi je vais, euh, je l'aurai à disposition euh, non, celle-ci euh, la patte avant est pas bon c'est pas parfait mais ça va ça va à peu près Faut que je l'accentue un peu là ça ressemble quand même à peu près à ça. Je pense que je vais lui faire des petits. Euh, euh, et celle-ci, par contre, il faut que je la fasse en fait assez droite. Hein. En fait, celle-ci plutôt droite. Euh, hop. Euh, ça remonte un peu là, l'articulation remonte un peu plus haut. Euh, celle-ci assez droite. Hop, hop. Là, l'angle se fait comme ça. Ouais, c'est ça. Ok. Je vais lui rajouter de, du poil. Euh, je sais pas, il y a un truc qui me... Non, normalement, c'est bien ça, hein, mais euh... je vais peut-être... Je ne la trouve pas, pas top. Je vais un peu la décaler. Si vous permettez. Hein. De toute façon, même si vous permettez pas... Hein pas non plus vous écouter, hein, ça va bien. Euh, je vais la remonter un petit peu en hauteur. Hop là, quelque chose comme ça je pense. Et juste l'incliner un tout petit peu plus. Pour que là, il y a un peu plus une dynamique qui va vers l'avant. Qui arrive vers l'avant. Ça, c'est des trucs qu'il faudrait que je fasse, c'est de faire... Euh, en fait, faire des, des exercices de dessin, euh, par exemple, de te faire pendant une semaine, tu fais que des loups, des chiens, ce genre de choses, et t'essayes de comprendre exactement comment est euh, la, la structure, euh, toutes les articulations, comment ça fait. Et après, c'est bien parce qu'en fait, tu vas pouvoir faire euh, tout... Euh, tous les canidés, tu auras une idée à peu près de comment fonctionnent euh, tous les canidés de la même manière. Par exemple avec les, euh, les animaux, les, bo les bovidés, je ne sais plus si c'est ça qu'on dit. Euh, mais tout ça, c'est assez, assez important, je pense, d'essayer de, de prendre le temps en fait de faire ça. Ça fait euh, des mois que je me dis, allez, tous les matins, euh, j'y vais, je prends une, une heure ou deux pour faire du, euh, du dessin. En fait, vraiment faire l'exercice le, faire de dessin, que ce soit du, du, du dessin d'observation, et je n'arrive pas à, à m'y mettre. Déjà, parce que des fois, je ne me réveille pas le matin. <laughs> C'est peut-être une des raisons. <laughs> euh... Hop, et alors, n'hésitez pas, d'ailleurs, si vous avez des questions, ce genre de choses, hein, je suis toujours euh... à votre écoute. <laughs> Ah, J'ai toujours pas. Oh, je... Est-ce que je tenterai pas quelque chose Je vais tenter quelque chose. Je vais tenter quelque chose vu que je vais peut-être pas. Alors, je vais faire un travail. Pas un travail de sagouin, mais je vais faire un truc. Euh, je vais mettre une petite ambiance sonore qui va aller, euh, qui va aller avec ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai comme petite ambiance euh, sonore qui peut être bien euh, euh, Alors, je, ça sera sur Tabletop Audio. Je vais aller chercher ça euh, sur Tabletop Audio en général. Que, que j'utilise énormément pour le jeu de rôle. Là, je viens l'utiliser pour un live. Ça va, je le monétise pas. J'ai. J'ai. Comment dire Je vais euh, l'accepter. Escape, Escape from Shadow. Allez, on va. On, je, je la connais pas, celle-ci. Playlist. Hop. Euh, je vais mettre ça. Pas trop fort. Oula, oh elle est un peu. Euh, un peu dark, hein, celle-ci. Je voir si j'ai pas un truc plus cool. Toujours chez Tabletop Audio. Si vous cherchez des ambiances pour jeux de rôle, c'est vraiment c'est hyper bien. Je vais vous le mettre d'ailleurs dans le chat. Il fait vraiment des trucs, des trucs, des trucs super. Où êtes-vous Vous êtes là. Hop, euh, là, là c'est Tabletop Audio pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vraiment un très très... c'est vraiment super bien. L'OST de Train 2, euh, les BO de jeux vidéo en général, ça ne démonétise pas, non euh, C'est fort possible. Euh, c'est fort possible. Il euh, faudrait que... Faut que j'essaie. Faut que j'essaie euh, de les mettre. Mais oui effectivement, je, vu que les gens font du stream avec, ça ne m'étonnerait pas que ça ne démonétise pas. Faudrait qu Après qu'après, faudrait que je pense à mettre le, le lien au moins, tu vois, de la, de la BO dans le, dans le chat ou le lien du, du jeu vidéo. Qui est quand même le monde des choses. Hop, allez, je vais travailler maintenant. Ben, J'ai fait les patounes du, euh, du chien je vais faire les patounes de, de, la, de ma géante. Mais ouais ouais je vous, je vous conseille hein, d'aller y jeter un oeil à euh, euh, Tabletop Audio si vous avez besoin de... Comment dire euh, ouais, D'ambiance sonore pour vos jeux de rôle, c'est hyper bien. Je trouve ça vachement bien. En plus, il y a des espèces de petits soundboards. Je vous montrerai ça peut-être tout à l'heure. Euh, C'est grosso modo où tu peux faire ton propre mix avec des ambiances, ce genre de choses. Moi, je le mets en, en plus de, de, de ma playlist en général. Je me, je me mets ça pour tout ce qui va être ambiance sonore et bruitage. <laughs> J'ai mis en favori, allez hop <laughs> N'hésitez pas à faire un petit don au, au gars. Il est, euh, c'est bien. Il y a vraiment plein de choses depuis longtemps. Et vu qu'il file quand même le 3 quarts gratuitement, ça peut être cool si vous avez les moyens de lui laisser un petit tip. Hop, un petit pourboire. Faut pas que je commence à parler là comme. Euh comme les gens qui viennent d'ailleurs euh... viennent d'ailleurs, les aliens. Euh... Je vais continuer ça, hop là, avec ben toujours hein, à placer mes, mes racines, mes ronces qui viennent retenir. Euh, le personnage. J'ai peut-être celle-ci là, la faire venir, la roncer un tout petit peu plus en amont. Avant, avant qu'elle vienne la saisir. Hop, l'autre là, celle-ci, comme si elle venait lui entourer le bras. Je voudrais presque qu'elle lui rentre dans la chair, quoi, qu'il y ait quelque chose de... Euh, presque Douloureux en fait, en ce truc là, question sono en partie. Tu passes euh, le son sur quel support PC, Chanifi, e téléphone, enceinte Bluetooth? Euh, alors, moi je fais essentiellement euh, du, euh, euh, du jeu en, en ligne, euh, du coup, euh, je mais je prends alors euh, si c'était euh, le truc que je le passerais sur mon PC avec mes enceintes, tu vois, ou, ou ce genre de choses. Je pense que j'utiliserai euh, les quelques parties que je fais en général. J'ai euh, soit mon portable ou un truc comme ça, un PC portable, mais pour avoir du, euh, du matos, le son et tout, euh, je vais utiliser ça. Euh, sinon, vu que je joue, comme je, te, je disais, essentiellement en ligne, euh, je, en fait, j'utilise un, une sorte de, de bot YouTube qui vient récupérer le, le son de mon PC et qui le balance sur Discord j'utilise euh, j'utilise ça là sur euh, euh, pour, pour mes parties en ligne ça, euh, le, le truc marche très bien comment il s'appelle euh, comment il s'appelle ce petit bot c'est clac 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 qu'est-ce que je vais euh, Discord attends c'est quoi son nom Discord audio oh, mince Discord audio stream exe euh, je sais plus du tout. J'ai chopé ce, où j'avais chopé ce logiciel là, mais euh, c'est super bien. En fait, tu lui indiques, tu lis à ton compte Discord. Et, euh, il va venir streamer. Tu lui dis qu'est-ce qu'il doit streamer. Il va venir euh, streamer euh, le, le son qui passe sur ton PC. Et ainsi, tu peux le, le balancer à tes autres joueurs. Et comme ça, ils peuvent eux-mêmes gérer, euh, gérer le son que tu leur envoies. Allez, hop, on va aller regarder. <laughs> Et, euh... Non, ouais, moi, j'aime... Euh, moi, c'est le truc qui me marche bien. Après, il faut pouvoir le, le configurer. Euh, justement, pouvoir sélectionner qu'il ne, ne balance... Euh, euh, bah tout simplement qui balance bien ta voix, qui balance bien ce que tu as envie de, de, le, de faire écouter aux au gars. Mais par exemple j'utilise un lecteur comme VLC, euh, qui est connu, hein, que je pense que beaucoup de monde utilise depuis très longtemps. Euh, et où tu peux choisir dans quel canot tu, tu le balances, le son de la musique, et voilà. Donc voilà, moi je fais comme ça. Mais alors le... le la gestion du son sur, euh, euh, sur les parties en ligne, je sais que, euh, que ça peut être un, euh, une vraie galère. Hein. Je sais que pendant longtemps, euh, ça, a été, euh, ça a été galère. Là, moi, en plus, là, c'est bon. Là, moi, ça me facilite un petit peu euh, depuis que je fais du stream euh, et que je me suis acheté une petite. Euh, euh, comment dire un, euh, Une petite table de, de mixage qui est, euh, pour l'occasion. C'est un truc, qui s'appelle le Go XLR, pour le coup j'ai fait un peu le, comment on appelle ça, la, le pigeon, j'ai vu qu'il y avait plein de streamers qui utilisaient ça, je ne suis pas allé chercher bien loin, Et, mais ça marche très bien, ça me permet de, de bien gérer tous mes canaux sonores, euh, que ce soit aussi bien pour, pour les streams mais aussi pour les parties de JDR, du coup ça, pour les deux c'est ce utile, c'est vachement bien. Par contre allez pas acheter ça juste pour... enfin aux parties de JDR. Euh, ça sert à quoi exactement une table de mixage Alors moi, ça me permet, par exemple, euh, tu vois, euh, euh, de choisir ce que le ce que je vais euh, te balance, que je vais balancer aux oreilles et à quel niveau je vais le, je vais te le balancer aux oreilles. Euh, un truc, un truc bête. Euh, par exemple, là, là, je peux monter le son. Voilà, tu vois, je monte le son de, de, de la musique directement, j'ai un espèce de petit potter pour, pour monter le son euh, tu, euh, et surtout en fait, euh, ça me permet de dire euh, tel logiciel va sur tel canal tel logiciel va sur tel euh, euh, ouais, tel canal audio et ensuite de balancer ce dont j'ai envie euh, aux, euh, aux joueurs ou aux gens qui sont en, en live, c'est pour eux. Et, euh, et aussi, ça peut, ça me permet aussi de gérer le, le niveau de ma voix, de, de, mon, de mon micro et de, de rajouter des, des petits, euh, comment dire, euh, des petits effets, ce, ce genre de choses. Et euh, Sinon euh, et après moi je là sur celui... Alors je sais pas si ça va, si ça va marcher là pour vous. J'en sais rien, mais... Je sais pas là si vous m'entendez avec une voix très grave ou un truc comme ça. Mais voilà, tu, normalement tu tu dois pouvoir faire ce genre de petits effets un peu étranges. En jeu de rôle. En, en jeu de rôle, euh, euh, jeu de rôle ça, ça peut être très très rigolo. Ah, si, très grave. Eh ben voilà. Eh ben, en, jeu, en jeu de rôle, tu vois, par exemple, je fais un, un personnage. <laughs> euh, tu vois, tu veux faire un monstre, un truc comme ça, tu euh, euh, un démon. Euh, bah, je, je, je vais balancer ça, je vais prendre cette voix-là et, et, euh, et je m'amuse avec ça. et c'est Non, c'est rigolo, quoi. Ça peut être assez drôle à faire. J'essaye de le faire euh, de temps en temps et ou sinon euh, euh... tu peux faire comme ça une petite voix de gobelin absolument irritante un petit gobelin qui fait des dessins qui taque partout qui fait des dessins partout sur bon donc voilà tu peux faire ce genre de <laughs> ce genre de conneries euh... après il euh, y a plein de <laughs> Il y a plein de petits. Euh, euh, comment dire euh, Il y a des logiciels aussi qui peuvent faire ça directement et tout ça. Après, la, la gestion du son, c'est vraiment. Euh, tu, peux, tu peux y passer beaucoup de temps, euh, trouver que ça marche et d'un seul coup, ça marche plus et tu sais plus pourquoi. <laughs> ça m'est arrivé de nombreuses et de nombreuses fois. Euh... Hop, là, là. J'ai fait juste la doigt qui est juste là et une petite racine qui vient simplement retenir sa main mais euh, voilà c'est vrai que c'est un truc que j'ai au fur et à mesure comme un au début c'est un peu ça peut être un peu chiant à tout le travail tout le truc sonore ça peut être un peu chiant à configurer en fait hein. vraiment ça peut des fois un peu, ça peut être lourdingue euh, mais une fois que t'as as configuré tous tes trucs sonores c'est assez c'est assez rigolo à faire et euh, euh, et ça rajoute je trouve en tout cas un plus moi en partie de, de jeu de rôle Ah par exemple moi je peux, je, je peux pas faire une partie je pense sans, sans son quoi je trouve que ça, ça meuble tellement la, la session. Je ne sais pas ce qu'en pensent les, 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 mes joueurs, hein, mais c'est euh, moi en, en tant que MJ, je suis principalement, je suis quasiment toujours MJ, mais moi en tant que MJ, si je n'ai pas de, euh, voilà, un, un truc, de, un peu de son pour m'accompagner, il euh, y a vraiment quelque chose qui me manque. Alors, ouais, je vais quand même, je vais lui faire des, des grosses paluches Il aurait même pu être un tout petit peu. Ah, non, ils sont déjà petits. Ils sont pas très grands. J'allais dire les lapins auraient pu mettre, même être un tout petit peu plus petits, mais en fait, ils sont quand même pas très très grands. Le problème, c'est que bon. Pff, y a, le mieux, c'est le cadavre humain. <laughs> Dans ces cas-là, le mieux, c'est d'avoir un cadavre humain. Mais j'ai pas envie qu'elle ait ça, que le personnage ait ça. Je veux qu'il fasse un peu peur, mais qu'il soit pas trop trop morbide. Il est déjà assez. Et juste des animaux, c'est déjà. C'est peut-être déjà un peu trop. Hop, ben ça, ça avance. Je vous avoue, je suis assez content là, de, la, de la petite illustration. Je vous avoue que pour l'instant, euh, je suis assez content là, de ce qui, euh, ce qui est en train de se profiler. J'espère que vous, euh, vous trouvez ça sympa aussi. Euh... Ah, je l'aime bien. Alors, il ne faudra pas que je la gâche après avec le... On va faire des corbeaux, des trucs qui ressemblent un peu à des corbeaux. C'est bien les corbeaux parce que c'est... Assez... Euh... Elle est bien, je trouve. Merci Anne. Elle ne fait pas peur. Enfin <laughs> tant mieux. C'est pas le but. Enfin euh, si. Euh, à moi, moi je me balade, je la croise dans la rue, je t'avoue, je suis pas rassuré. Hein, mais, <laughs> mais bon, après je, je suis peut-être un peu une chauchote, hein. C'est possible aussi. Allez, on avance. Alors, c'est bien, j'ai l'impression que quand je parle pas, c'est euh, le fait d'avoir de la musique. Euh, je je, je m'en veux moins. <laughs> je m'en veux moins. Bon, les, les oiseaux sont pas foufous. On va faire. On va faire avec. Oh c'est bon, ça va. Ça va, c'est pas non plus. Non, oh, C'est cool quand même, je pense de les avoir fait. Là j'ai vais passer, j'hésitais à savoir où est-ce que je faisais passer la... Les plus euh, l'aile devant ou derrière la racine. Et je pense que devant c'est important que je les fasse quand même un petit peu ressortir ces oiseaux. Non, elle fait ermitager. C'est vrai. C'est vrai. Oh, bon bah, bah, attends, je vais faire grogner le loup, tu vas voir si tu vas pas flipper. On va faire grogner le, le loup là devant On va le faire un peu là, un petit peu énervé. Hop. Par contre, il va falloir que je fasse son token là à elle. Je sais pas comment je vais m'y prendre. <laughs> <laughs> euh, J'aimerais bien avoir le token vraiment avec, euh, toutes les, avec des branches, des racines comme ça, là, comme si elle pouvait, pouvait pouvait y avoir des, des attaques de racines. Je ne sais pas comment je vais essayer de gérer ça. Le token, la vue d'au-dessus, que je n'ai pas encore fait. Hop, nope, allez, les petits champignons au sol. Est important. Ah d'ailleurs, est-ce que j'aurais pas pu lui en faire... Bon, ça ira bien. Ah, je vais ah, lui en faire comme si ça remontait un petit peu sur sa robe, comme s'il y avait des espèces de petits, de petits sports qui grimpaient sur sa robe. Ça peut être une solution parce que j'ai pas tellement envie de lui en faire trop sur, sur le corps. Je peux en faire un peu. Hein. Quelques petits sports, on va en marquer quelques-uns. De toute il va falloir aussi que je regarde sans le. Mais je ferai ça quand j'aurai fini. Euh, sans euh, l'esquisse en dessous. Ça fausse un petit peu mon dessin. Les sports qui sont là. On peut pas trop que je fasse ça je jette ça un peu les dessins là je... vous voyez pas typiquement euh, là là pour les, les petits champignons que je veux faire au sol j'en fais un que je marque bien correctement on pas euh, on parlait un petit peu de combien de temps on passe sur un dessin et après les autres je c'est pas nécessaire enfin j'estime que c'est pas nécessaire de, de tous les détailler tous les faire et juste les, les suggérer ça suffit j'en avais parlé déjà de, de ça lors du live que j'avais fait où je, je montrais justement le le euh, un petit dessin avec une forêt de champignons et des et de racines dans laquelle est lié justement ce personnage là et, euh, et je vais euh, voilà Mais à un moment tu suggères juste en mettant des petits traits euh, des petites choses des peu de juste des petits ronds en fait on le dessin. Euh, il y a un drôle d'artefact vert sur l'image qui semble être lié à l'overlay. Euh, euh, oui, tout à fait, tout à fait. Euh, que c'est quoi ce truc euh, Ah oui, je sais ce que c'est. Hop là, voilà. Désolé, je ne l'avais pas vu tout à fait. Euh, ça vient de la capture là de VTube Studio là avec mon petit mon petit bonhomme ça venait de là j'ai pas fait attention il était tout petit merci d'avoir euh, euh, de l'avoir dit bon, euh, à 5 minutes de la fin du live mais merci <laughs> non, <je déconne. rire> merci poli là je pense que je, je vais peut-être traîner un petit peu plus un petit peu plus tard là essayer de continuer au moins le temps de euh, comment dire euh, de finir de finir l'esquisse les Excusez-moi, j'essaie je, de boire un coup. J'ai vraiment la gorge, je sèche. Deux petites secondes. Hop là, c'est bon. Alors, euh, bah on continue. On va continuer ça. Avec là. là J'ai oublié de remplir ma bouteille d'eau. Et du coup, je m'assèche. Et je vais finir par parler comme ça. <laughs> MDR, je commençais seulement à scotcher dessus. <laughs> eh ben. Comme quoi. Euh, T'aimes bien les champignons Il y en avait aussi le précédent dessin avec la montagne au fond, en fond. Bah, en fait, c'est euh, euh, que le personnage est lié. Euh, comment dire euh, Ça fait partie. Euh, là, là euh, euh, comment expliquer ça très simplement. Euh, là pour le euh, pour les de, le Patreon, je fais une carte par, euh, par semaine. Euh, et euh, une fois par mois, je fais une carte plus importante que j'illustre avec ce type euh, avec des dessins. Euh, et je fais aussi un petit texte pour montrer. Euh, comment dire ce que je suis en train euh, ben, le lieu en question je mets un, une espèce de début d'intrigue c'est vraiment une, un petit synopsis plutôt qu'un que, qu scénar de jeu de rôle et euh, du coup euh, et là j'ai essayé de lier euh, en fait toutes les cartes que j'ai fait dans le mois dans un même euh, euh, comment dire sur en faire toute une sorte de petite histoire euh, essayer de, de lier tout ça et euh, du coup ça euh, le fait qu'il y ait des champignons c'est lié euh, c'est lié à euh, au même lieu que j'ai dessiné la, la première fois le, le mois dernier qui était euh, une illustration pour avoir l'ensemble en fait de mes euh, euh, qui montrait l'ensemble du lieu que je que j'allais développer pendant pendant le mois donc voilà d'ailleurs il euh, y a une autre petite illustration euh, que j'ai pas encore tout à fait finie euh, qui euh, montrera euh, voilà une espèce une espèce de montagne qui est entourée de euh, d'une forêt de racines euh, d'un marais de champignons et d'une sorte de euh, comment dire euh, de plateau avec des grandes pierres en forme de pic de, de croix pardon pour le petit poc sur le micro j'espère que ça vous a pas euh, dérangé euh, et euh, du coup voilà je... ben, euh, les cartes d'ailleurs en fait elles sont euh, les premières cartes que j'ai faites elles sont, euh, elles sont disponibles, tu peux les retrouver sur Discord ou sur le, 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 mon Twitter euh, tu, je pense que le plus simple pour avoir, les avoir au bon format, elles sont sur le Discord, euh, c'est juste une version euh, des versions saines assez euh, basique et, euh, et après j'en fais des variantes que je propose sur, sur mon Patreon et tout ça. Et là, là, le, le petit texte et tout ça, c'est pour ceux qui me soutiennent le plus, là, sur, sur Patreon, que je, je file ça. C'est un petit texte, en fait, un petit PDF avec plein de avec des petites illustrations et une carte spéciale que je fais pour euh, les plus euh, gros contributeurs. Et c'est un truc que je devais faire avant la fin du mois. Et <laughs> la fin du mois, c'est dans. <laughs> Euh, c'est dans quoi Dans une heure et demie. Euh, du coup, bah, euh, je, je suis euh, grave à la bourre. Et, euh, mais bon, j'ai trouvé une solution normalement qui peut euh, faire en sorte que les gens ne se sentent pas floués de m'avoir soutenu là pour le mois. J'espère que les gens m'en voudront pas trop. Ça m'embête un peu quand même, ça fait un peu passer pour euh, quelqu'un de pas très sérieux, mais bon, des fois, c'est comme ça. J'avais pas envie de me rendre malade. À pas dormir de la nuit pour pouvoir réussir à sortir ça du coup euh, j'ai un peu de retard mmh, okidoki ça fait partie du leur exactement <laughs> ça fait partie du lure et euh... Alors des fois, pour ceux qui regardent ça en replay, hein, vous voyez me répéter, mais c'est normal, hein, vu que je suis en live, il y a des gens qui arrivent en, en cours de route. Du coup, je, je, je refais... Je, ben, je me répète. Je sais pas ça me dérange pas. Mais euh, voilà. Pour ceux qui regardent ça, en même temps, vous venez ça. Vous venez, vous venez voir l'art, vous venez pas m'écouter parler. J'espère pour vous. <laughs> euh... Euh, ça fait partie euh, de, de go -go, du, du Gogol Cinematic Universe c'est ça <laughs> d'ailleurs super les maths euh, sur le Patreon euh, je suis Dimon et eh ben eh, ravi, merci à toi euh, et Anne, merci, merci beaucoup ça, eh ben, j ça ça avance doucement mais, mais sûrement ça avance doucement mais sûrement. J'espère, euh, j'avoue que j'espère que ça, que ça avancera même un peu. Euh un petit peu de, de mieux en mieux en fait je vais dire un petit peu mieux forcément mais de, de mieux en mieux parce que c'est va que là pour l'instant je me suis donné quelques mois pour ben pour le, pour lancer ça mais euh, là pour l'instant j'y passe beaucoup de temps et je pourrais pas si ça me rapporte pas un peu plus au bout d'un certain temps je pourrais pas y passer euh, ben passer autant de temps à faire de la cartographie à faire des trucs des assets et tout ça donc euh, voilà on tente, tente l'aventure, on verra si, les, si le, mon, mon travail plaît et que j'arrive à mobiliser des gens. Après, c'est beaucoup, euh, je pense que c'est surtout euh, beaucoup pour les anglophones qu'il faut que j'arrive à séduire qui, je pense, bah, sont plus nombreux. Hop, on va lui faire une petite canine, lui, qui sort, voilà, qui sont un peu plus... Euh, qui, lui, on va, le faire, on va lui donner un air un petit peu plus méchant. On va lui donner un air un petit peu plus méchant. On va lui faire des petites rides là devant, là les yeux. Lui, il cherche... Euh, il, euh, il garde. C'est le, le, le gardien des lieux. Donc euh, ouais, bah, bah pour euh, Eon, je sais qu'en avant-go aussi, toi aussi, t'es, euh, Patreon pas très bon. Normalement, euh, ça arrivera euh, le, euh, je pense jeudi. Bah, ça, peut, ça peut, être, j'en sais rien. Si j'ai, des petits euh, soucis, ça peut être, euh, ça peut être mardi. Mais la spéciale là, du mois dernier, du coup, arrivera, euh, je pense, ça arrivera jeudi. Hop. Et euh, sinon, là, pour tout le monde, euh, d'ailleurs je ferai peut-être quand même une version gratuite là, de, cette, de, de la carte qui est liée à cette illustration. Euh, et par contre, ouais, j'ai fait des nouveaux assets. Il y a des nouveaux, un nouveau pack d'assets qui est dans les tuyaux. Il faut que je prenne euh, le temps de le finir, de le peaufiner, de rajouter quelques petites choses. Mais qui devrait arriver aussi dans la semaine, ou vraiment au pire en début de semaine prochaine. Il est quasiment fini. Mais vu qu'il faut que je rattrape justement le temps que j'ai un peu perdu là sur, mes, sur mon Patreon. Je rattrape un peu mon retard, c'est pas le truc qui presse le plus et euh, ouais avec c'est des, des rochers des rochers il y, y, y a je sais plus je crois que j'ai j'ai 150 rochers x euh, 3. Euh, grosso modo c'est 150 rochers avec trois versions différentes, il y en a une avec mousse, une sans mousse et euh, des des rochers colorables. Donc voilà, c'est plein plein de petits euh, de nouveaux petits rochers et en plus il y a des nouvelles euh, comment dire euh, des nouvelles falaises et tout ça pour euh, des nouveaux passes pour ceux qui connaissent pour dungeon draft. les nouveaux petits qui devraient euh, ouais, ouais comme je vous le disais devraient pas trop tarder à arriver alors des fois j'ai des petits bugs parce que je, je, je regarde le chat pour ça que vous me je dis rien de parfois pendant quelques instants alors oulala elle est complètement foirée cette jambe là là il faut me le dire là que c'est complètement foireux là <laughs> c'est <laughs> C'est Quoi, cette jambe là? <laughs> faut me dire là, ah, typiquement là. Je, je disais, faut faire attention à ce qu'on fait et garder un oeil. Euh, il va pas du tout, ça. Ça, ça va pas du tout. Il y, a, il y a un truc qui bug là. Il y a un truc qui va pas. Euh... Hop, euh, euh, je pense qu'il faut. Je vais essayer de la reconstruire un peu sur l'autre. quelque chose comme ça euh, oui c'est une jambe de lapin ouais il y a un truc qui euh, qui va pas il y a un truc qui allait pas l'idée l'idée est là mais je pense qu'il y avait, aussi, il y avait un, un, déjà un gros problème de proportion euh... attends je, vais, je, je regarde je me fais je regarde quelques pour quelques voir un peu s'il n'y a pas un un loup qui est en train de... Euh, alors c'est marrant, il y a toujours des loups en train de gueuler ou ce genre de choses, mais moi j'en voudrais un hein, tout simplement en train de marcher. Euh, celui-ci non, celui-ci non, celui-ci non. Excusez-moi, je suis en train de regarder. Euh... Alors il marche de face, mais de face, moi ça m'arrange pas, moi. Euh, je regarde, je, 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 je jette un petit coup d'œil, excusez-moi, c'est sûrement notre. Euh, euh, ah, putain, ah, là, il y, y a une illustration, elle est, elle est superbe. Ça, ça, je vous le montre. Hop. Elle est belle, là. Oh là là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Juste avec les, les coups de pinceau, là, comme ça, là, ça rend super bien. C'est vraiment très beau. Ah, celle-ci aussi. Ah, c'est très, très beau. Hein. C'est vraiment très beau. C'est très très joli. Alors c'est pareil. Hein. C'est peut-être pas pire que ArtStation, mais Pinterest, il y a moyen de devenir. Euh, euh, de complexer, hein, de faire des, des petits complexes quand on dessine avec tout ce qui se fait. Euh, C'était pas du tout ça que j'étais venu regarder. C'était pas du tout ça non plus. Euh, C'était un petit dessin. Euh, que je cherchais. Alors, je vais aller voir. Je crois que j'ai vu un truc en haut. Je vais voir ça. Alors, ça, c'est de la triche. Hein. Je vais voir un autre dessinateur, voir comment il fait son truc. Euh... D'accord, ok. Je crois comprendre un petit peu. En fait, non, je, je dois pas être si mal que ça, hein, mais je pense que c'est une histoire de, de proportion. Hop là, je vais retenter. Euh, Pinterest, tu viens chercher une image. Tu y es encore deux heures après, oui, c'est exactement ça. Ouais. Et t'as pas trouvé l'image que t'étais venu chercher. Hein. <laughs> c'est ça qui arrive horrible avec Pinterest. Euh, là, tu deviens fou. Tu peux y passer ta vie, quoi, sur le machin. Attends, mais il y a un truc vraiment. Un truc que j'ai pas saisi dans la musculature, c'est quoi C'est comme ça, comme ça, comme ça pourtant. Bah, je pense que là je suis trop bas en fait. Je pense que le pli je le fais trop bas. Le plus, qu c'est que maintenant, du coup, il y a la main là où je veux, où je veux la placer. Là c'est la musique épique en plus derrière. On va, on va mettre un peu de un peu plus de poils. Pour essayer de camoufler le poil, c'est bien pour camoufler. Mais en même temps, il faut quand même que je marque un petit peu la musculature. Ouais je pense que ça peut passer comme ça. On, ce qu'on va faire, des fois, il y a un truc qui marche très bien. Il y a un truc que t'arrives pas à dessiner, tu le suggères juste. T'en fais juste quelques petits traits, hop là, là, on à peu près que c'est comme ça. Hop. Et, euh, <laughs> et voilà, plutôt que d'y passer des heures. Ah, tu fais non mais ce qui est important, c'est la main qui est juste là, le pied exactement, comment il se place, c'est pas grave, on va juste le suggérer. Et voilà, les petites astuces de dessinateur. Euh, hop, allez, je vais, euh, je vais, continuer un tout petit peu là, là les, euh, les racines, je vais juste les dessiner simplement. Après, je vais effacer, après je vais enlever le, le premier rough que j'avais fait et, et je viendrai essayer de, de détailler quelques petits quelques petits éléments. Du coup, ben, je ne vous montrerai pas la, la mise en couleur. J'en suis désolé. Mais là, là, ouais, il est prêt. Je pense que je vais rester là, je vais, euh, allez, on va dire jusqu'à 23h. Euh, mais je pense que je n'aurai pas le temps de vous faire, de faire la mise en couleur. En plus, il y a une petite étape avant euh, qui, est, qui est un peu longue et pas forcément très intéressante que je dois, qui, que je dois faire. Euh, C'est de... Euh, je dois faire du... Comment expliquer ça euh, Je dois peindre en blanc tout l'intérieur grosso modo, je dois faire tout le, je, le profil de, de mon illustration euh, parce que en fait ça, euh, vu qu'après je vais la mettre en page j'en ai besoin lors de ma mise en page. Tout simplement. Hop, on va suggérer quelques racines qui passent à l'arrière. vraiment juste les suggérer là derrière pareil bon hein, je pense que non je suis plutôt content euh, je vais aussi dessiner le crâne là juste ici Le crâne humain. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit bien ça, euh, la morphologie. Et pareil, même astuce. Tu fais des gribouillis. Et euh, dans le doute, les gens euh, comprennent. Tu fais juste ce qui est vraiment important pour la compréhension c'est un crâne humain, c'est-à-dire les deux grosses orbites noires et euh, le petit euh, euh, triangle pour marquer le nez. Et éventuellement, là, là, des... Euh, comment dire Marquer les dents. Ça peut aussi être pratique. Euh, alors, je sais pas ce que j'ai... Ah oui, c'est que j'ai changé. Je ne sais pas pour quelle raison j'ai changé de... De crayon. Je me disais, il y a un truc un peu bizarre. Je pense que j'ai dû cliquer sur un raccourci sans faire attention. Hop là. Allez Maintenant que ça s'est fait, en fait, hop, je, quelque chose dont je vais me rendre un, un peu mieux compte, voilà, du, du croquis, c'est maintenant qu'il est, euh, euh, comment dire, euh, sans l'esquisse en dessous. Maintenant qu'il n'y a pas l'esquisse, le, ça me permet de voir un peu ce que je dois un petit peu plus surligner, typiquement là, là pour euh, dessiner un, petit, un tout petit peu mieux la silhouette de mon personnage. C'est important. Lui aussi, là, bien sûr, ce loup-là, qui est assez... Euh, en particulier, l'avant du loup. Je pense que l'arrière, vu que ce qui est euh, le plus important à l'arrière, dans euh, cette zone-là, dans cette zone, dans cette zone euh, entre les deux personnages, c'est surtout l'ermite, la, euh, ben le, la géante, qui est ici. Hop Et là, je vais voilà, juste un petit peu retravailler, pousser un petit peu plus mes traits. Défoncer un petit peu, essayer de les faire ressortir. Ressortir les éléments qui me semblent importants. Hop, rajouter un petit peu de détails, là ça vaut le coup. Hein. Sur le museau, rajouter des, des poils, un petit peu, des, un peu plus de traits. Là c'est l'avant, hein. c'est la première chose, c'est le premier dessin qu'ils vont voir en fait. Dans le sens de lecture, on va forcément passer devant, donc il faut quand même que le, le loup soit euh, plutôt bien euh, ouais, plutôt bien fait. En tout cas qui est... qu'il ait du caractère. J'avance doucement on revient je viens épaissir en fait certains certains traits je viens rajouter les petits détails et on, on va commencer à avoir quelque chose en tout cas moi qui me serait suffisant pour après faire ma mise en couleur moi, sur les mises en couleur, là, de ce, ce type de dessin, là, ces dessins de personnages, ce que je fais, c'est que j'aime bien avoir. Un, euh, garder l'esquisse. un peu plus que quand je fais mes décors. garder un petit peu l'esquisse du, euh, du perso en, en fond. Et. Euh, ensuite. Je viens, euh, euh, je viens juste rajouter des petits points et après je vais venir avec, la, avec les couleurs essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus euh, 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 pastel, je dirais. Euh, d'avoir des couleurs un petit peu pastel qui permettent quand même de faire ressortir ce côté un petit peu euh, crayonné. Que moi j'apprécie euh, j'apprécie assez pareil hein, j'essaye sur mon travail sur le travail en général que je vous montre c'est d'essayer de vraiment d'aller sur des choses que, que j'aime bien dessiner en tout cas un style sur lequel je me sens à peu près à l'aise et vu que je suis pas très pas forcément très à l'aise en couleur, comme je vous l'ai dit déjà de nombreuses fois, hein, je j'essaie de tricher, d'y aller petit à petit. Vous bon, voyez, hein, bon on commence à avoir là le dessin commence à être là, il faut juste pas typiquement là que je vais que je pousse un tout petit peu, je fasse ressortir un tout petit peu euh, les, euh, les lignes celui-ci pour qu'on sente bien qu'il est en avant-plan qu'elle soit plus épaisse que les lignes euh, du, euh, du personnage qui est derrière et euh, exactement la même chose euh, avec les racines qui vont être devant là là par exemple typiquement là, cette racine qui est derrière est peut-être un peu trop euh, euh, comment dire euh, ah, peut-être euh, un peu peut-être un peu trop vive et là le, ça je le gérerai à, à justement à la couleur en effaçant plus ou moins le le, le crayonné euh, la mise au propre ouais. alors là vraiment euh, pour euh, ce type de racine si on laisse j'essaie de laisser euh, aller et venir le euh, montrer d'avoir hein, hein, c'est quelque chose de un peu chaotique je vais juste appuyer à certains endroits un tout petit peu plus pour euh, essayer de les faire ressortir de la même manière ce qui est en premier plan je vais essayer de l'avoir un petit peu plus épais que ce qui est en arrière-plan et ce qui va me permettre euh, bah, de donner tout simplement du volume à mon dessin et ce qui aidera d'autant plus lors de la. Euh, comment dire euh, Lors de la mise en couleur. Hop, là, j'ai marqué. Travailler un tout petit peu plus la texture des cheveux. Après, il y a des gens. Hein, ce travail d'esquisse, ça va. Les gens vont l'avoir vraiment. Euh, plutôt de clean, de mise au propre euh, avant la, la, la mise en couleur euh, certains vont y passer beaucoup de temps, d'autres beaucoup moins euh, ça, ça, ça dépend énormément, ça dépend de chacun on a ont besoin vraiment d'avoir un truc ben, un peu comme moi presque propre hein. euh, presque clean avant de passer en couleur et après ils vont complètement effacer le, euh, euh, le, le trait en fait ça sera juste un guide d'autres vont euh, carrément ne jamais passer en fait par euh, cette étape là et vont directement euh, ben, travailler juste avec des masses des grandes masses colorées en général je suis assez admiratif des gens qui travaillent comme ça moi je trouve ça assez euh, euh, assez assez beau assez euh, hyper intéressant il faut bien maîtriser la couleur et c'est vrai que moi je suis un habitué de la ligne claire j'essaye de m'en faire enfin, de la ligne pas vraiment claire mais de du dessin plus que de la peinture du coup on avance doucement euh, c'est bon je suis toujours en live ouais, non, que, vu que je vois plus de messages j'ai des doutes <laughs> je me dis putain euh, j'espère que tu es pas en train de, de parler tout seul faut que je fasse attention avec les petits, les petits mots un peu Vulgaire. les petits les petits putains qui partent qui partent tout seuls quand même. Hein S'il y a jamais y a des jeunes, des, les, des plus jeunes qui viennent ici. Enfin bon. Euh, hop là, hop là commence à le voir l'appareil hein. je vais je ressortir un tout petit peu le, le, le dessus du, euh, du loup et euh, ben, je commence à voir quelque chose moi qui me plaît que je trouve assez lisible bon, euh, forcément là c'est l'entrelacement des euh, euh, comment dire des racines et pas euh, et pas génial euh, et pas génial euh, N'est pas forcément très clair, mais moi il me suffira euh, après. Justement, il y a quand même l'étape de la couleur qui va venir aider à, à donner encore un peu plus de lisibilité à hein, tout ça. Ouais, que je le travaille un peu plus et un peu plus travailler un petit peu des ombres en assurant si je, je voulais rester en noir et blanc juste avec un dessin au trait. Trop joli, les détails sont vachement bien. Merci beaucoup Ern. Merci beaucoup. Alors, je vous avoue, je, je suis plutôt content là de ce petit dessin de ce soir. Je le trouve pas dégueu. Après, des fois, il faut faire... Alors moi, je, je suis... Euh... <laughs> euh... Souvent, je vais avoir tendance à trouver ben, mon dessin quand je viens de le faire pas trop mal, et euh, après quelques une journée ou quelques heures après, à me faire oula, ah non non en fait ça en fait, c'était pas top, il y a plein de choses qui vont pas, euh, mais bon, on va faire avec. On va rajouté Là comme ça, la petite. Pas de des loups. Ouais, je vais lui mettre quand même une petite. Travailler un peu sa pupille. En fait, je, je pense que je leur ferai des yeux bleus, très très clairs, assez loups. Euh... Et ben. Euh... Je vous dirais, euh, je pense être arrivé, ben voilà, où j'avais besoin d'arriver dans, dans le dessin là, ce que je vous avais dit euh, durant le live, c'est-à-dire juste le temps de faire le, le croquis, de faire l'esquisse. Euh... Et euh, ben voilà. il euh... ben, y, ben, y a un peu de monde encore, il y a encore un peu de monde ce soir. Euh... 6 personne, personnes <laughs> mais c'est bien euh, 4 personnes mais c'est bien des fois en général ça commence à se vider au bout de de, au bout certaine, de certaines heures euh, magnifique euh, sur, sur une feuille blanche et eh ben euh, merci beaucoup Eon merci euh, beaucoup j'espère que bah voilà j'espère que ça vous aura plu là ce petit live euh, ben pour, euh, pour les, ceux qui vont me soutenir sur le Patreon je vous aurai l'image définitive et tout ça final peut-être que pour les autres là je vous passerai ben, Peut-être que je partagerai juste cette petite euh, Cette petite esquisse euh, Justement avant la, avant la mise en couleur euh, Et euh, Ben voilà euh, ben, Rolly Polly Eon, euh, En avant go euh, Le doc euh, ben, et Tous ceux qui sont passés sur le live Je vous remercie euh, d'être venu euh, D'avoir passé un petit peu de temps Avec moi ce soir Normalement euh, il doit me le confirmer, mais normalement, jeudi prochain, et il y a un nouveau live. Il y aura un nouveau live avec un nouvel entretien euh, qui ne va pas être. Euh, et on propose des colorisations, mais, <laughs> mais pourquoi pas, tu vois, le cahier de coloriage. Euh, euh, Nouveau, oui, un nouveau live, comme je vous disais, un nouvel entretien que je vais faire avec Ezekiel, Vous savez de, de Grim, enfin, vous savez peut-être pas qui de Grimoire et Tentacule. Euh, en fait, il vient de sortir une BD en tant que euh, scénariste, et euh, du coup, je voulais qu'il, je lui ai proposé de venir euh, parler de ça, en particulier bah, comment se passe une collaboration avec un euh, avec un dessinateur quand justement on est scénariste. Donc voilà, je vais essayer de discuter un petit peu de ça euh, avec lui. Euh, Normalement, euh, je lui ai proposé jeudi. Euh, normalement, ça devait être ce soir, mais moi, vu que je suis à la bourre, je lui ai dit non, ça serait peut-être mieux de, de faire ça un peu plus tard. Euh, donc, euh, jeudi soir, normalement, euh, avec lui, c'est à vous, je vous confirmerai ça hein, sur, euh, sur Twitter et sur euh, le Discord. Euh, mais normalement, un nouveau petit live. Oui, moi aussi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup leur petit groupe euh, euh, de Grimoire et, et Tentacules. Euh, je trouve qu'il y a une, un, en fait, c'est un des rares euh, actual plays que je, je suis de temps en temps, euh, parce que en fait, très vite, souvent, je m'ennuie un petit peu dans les, dans les actual plays des autres. Je préfère jouer <laughs> euh, ou, euh, ou écouter un livre audio. Et euh, je euh, je sais pas, il y a une espèce de truc dans leur groupe, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime ai, bien. Je les trouve, il euh, y a un côté un peu... Euh, Naturel et amusant dans ce qu'ils font. Euh, et on a Ligue euh, super Hard jeudi. Euh, ou autre, euh, sur Insta ou. Euh, pas, alors, euh, j'allais dire. Insta, euh, euh, tu, sur Twitter, euh, je mets en général ça sur euh, les annonces euh, de live, je les mets sur Twitter et, et sur le Discord. Euh, Instagram, euh, je pourrais peut-être mettre ça d'ailleurs. Je pourrais peut-être mettre les, les de ce de, dessin sur Instagram, mais je le mettrai de toute façon. Si vous voulez voir vraiment te, ce là où je communique le plus et le plus régulièrement où je suis très régulièrement connecté, c'est sur le Discord. Euh, normalement, il me semble qu'il y a un lien dans la description pour euh, rejoindre le, le Discord. Sinon, c'est sur la bannière euh, de, de la chaîne, euh, sur la droite de la bannière de la chaîne, là tout en haut euh, euh, de la fenêtre, vous pouvez trouver des. Euh, comment dire euh, le lien pour euh, venir sur le discord donc euh, voilà où. Euh, allez je vous souhaite à euh, bah, tous une bonne soirée Bah ouais, il, est, il est presque 23h euh, merci d'avoir été là et ben bah, j'espère vous dire à jeudi sinon de toute façon il y aura un live certainement euh, euh, il y aura le live mardi prochain mais de toute façon j'essaierai de, de faire cet entretien avec euh, avec Ezekiel allez euh, à très vite ciao